Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne L'Atelier Créatif de Miss Lolo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici ça va. On est toujours le 18 juillet, il est bientôt 20h45 et je prends le temps de vous faire la deuxième partie de cet unboxing Goodfell. On va découvrir les quatre derniers produits que j'ai choisis dans cette boutique. Et je vais commencer tout de suite par celui que vous voyez. Donc, je vous l'avais déjà présenté dans d'autres vidéos. C'est un ruban adhésif en mousse que j'ai pris du coup pour ma maman. Je vous avais dit que j'en avais pris un déjà, mais elle n'en avait pas assez pour finir le tour de son DP. Du coup, je lui en ai pris un autre pour qu'elle puisse finir. Voilà. Je crois que je me répète dans les du coup, donc vous ne m'en voudrez pas. Je vais lui demander, une fois terminée, qu'elle me fasse une petite photo pour que je puisse vous la publier dans l'onglet, pardon, communauté. Comme ça, vous verrez un peu ce que ça peut donner. Je pense que ça peut être sympa. La bande adhésive, elle était au prix de 1,99$. Donc, je lui ai repris du bleu ciel, forcément, puisqu'elle avait commencé avec le bleu ciel. Donc, je lui ai repris le même. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai choisi trois toiles. Alors, j'ai choisi celle-ci. Donc, c'est un peu la même collection que la petite Marie que je vous ai présentée en première partie de l'unboxing. Mais là, j'ai pris le Winnie l'ourson, que je trouvais l'image vraiment sympa et originale. Donc, c'est une 30 par 40. Ça colle très très bien. On a toujours la table des matières en bas à droite et en haut à gauche. Nous avons toujours le toolkit de base. Et nous avons les diamants qui sont en sachets zippés. Donc là, c'est les sachets zippés avec le liseré rouge. Personnellement, comme je vous disais, moi ça ne me dérange pas parce que tant que les diamants sont bien taillés et que ça se passe bien, je n'ai pas de souci avec ça. Cette petite toile était au prix de 5,99$. Donc, franchement, elle est super sympa. On a bien les DMC aussi sur les sachets de diamants. Donc ça, c'est top. Et cette petite toile est avec 23 couleurs. Donc au niveau de l'impression, pareil, hein, il n'y a aucun souci avec Goodfell. Franchement, je n'ai jamais été déçue. Après, j'ai un peu peur de ce que ça va donner au niveau des fleurs, là. Mais franchement, on verra quoi. Une fois que ça sera fait, je verrai ce que ça donne. Je me suis dit, faut tenter pour voir en fait. Donc, mais elle est vraiment sympa. Je trouvais ça trop mignon. Donc, je me suis dit, allez, je vais tenter. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, je vais continuer dans l'étoile 30 par 40. Du coup, je me suis aperçue qu'ils se sont trompés. C'est pas ce modèle-là que j'avais choisi. Mais du coup, je me dis pourquoi pas. On verra ce que ça peut donner. J'avais pas pris cette princesse. Parce que pour être honnête, c'est une princesse. C'est du Disney. Ouais, elle rend bien aussi quand même. À la caméra, elle rend peut-être même mieux, je pense. Donc vous avez deviné que c'est la belle avec le château. Ici on voit l'ombre de la belle et la bête. L'horloge. Ben, Big Ben. Le chandelier ici, lumière. Et la rose forcément de la belle et la bête. Donc ça je trouve ça sympa. J'avais choisi à la base la version Ariel, la petite sirène. Mais bon, franchement, ça ne me dérange pas non plus. Je trouve qu'au contraire, comme ça fait surprise aussi, c'est pas mal. Donc c'est une 30 par 40, elle a 20 couleurs. Et on a bien la table des matières en haut à gauche, en bas à droite. Nous avons le toolkit de base, comme d'habitude. Et nous avons les diamants qui sont en sachets zippés également. Et est-ce que... Ouais, ça colle très très bien. Au niveau de l'impression, il n'y a toujours pas de souci de ce côté-là. Donc franchement, c'est top. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Excusez-moi. Et du coup, cette petite toile est au prix de 5,99$ chez Goodfell. Elle est au même prix que la Ariel. Hein. De toute façon, il y a juste le motif qui change. Mais sinon, c'est la même chose. Donc voilà, franchement, elle est très très jolie également. Donc, j'aime bien le détail avec les petites pétales de rose là, c'est vraiment sympa. Je pense que ça peut être joli. J'ai hâte de voir ce que ça donnera une fois faite. Donc voilà pour cette petite toile.
Et ensuite, j'ai choisi une toile qui va compléter la collection que j'avais commencé. J'ai re-choisi une toile silhouette. Et cette fois-ci, j'ai pris Belle. Du coup, je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont remis une Belle juste avant. Hop. Nous avons toujours le toolkit de base. Et là, c'est une 40 par 50. Ça colle très très bien. Donc, je l'ai pris comme ceci. Elle est vraiment jolie. Toutes ces couleurs de vert, tout ça, j'aime beaucoup. Comme dans Clochette. Sur la toile de Clochette, le vert est beaucoup plus pétant, il me semble. Mais elle est très jolie aussi comme ça. Donc forcément, il y a beaucoup de noir, hein, puisque tout le fond est en noir. Elle comporte 19 couleurs. On a les DMC sur la toile, mais pas sur les sachets. Personnellement, ça ne me dérange pas de ne pas avoir les DMC, puisque moi, je me sers beaucoup des piluliers, des mallettes, tout ça. Donc ça ne me dérange pas. Moi, c'est numéroté de 1 à 30 selon la valisette que j'ai. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Et cette petite toile en 40 par 50 était au prix de 9,99€. Donc voilà pour ça. Au niveau des impressions, franchement, il n'y a rien à dire également. Hein, c'est très bien imprimé. Donc sur cette toile, on a beaucoup de lettres au niveau des symboles pour les mettre les diamants, pardon. Beaucoup de lettres. Donc franchement, il n'y a pas de souci. Ça va vraiment être sympa. Je m'amuserai peut-être même aussi encore à mettre quelques AB par-ci, par-là, je pense. J'aime bien ajouter des AB. C'est ma petite, mon petit délire personnel. Donc voilà pour cette petite toile. Enfin, grande toile quand même, hein. J'ai de quoi faire. Du coup, bah voilà pour la suite de cet unboxing. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça me plaît toujours autant. À chaque fois, je vous le dis, hein, de vous montrer des produits, j'aime ça. Donc... D'ailleurs, j'ai encore une petite vidéo à vous tourner juste après. Donc, voilà pour ça. J'espère que... N'hésitez pas, pardon, à me laisser un petit pouce ou un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, je vais vous souhaiter une belle après-midi ou une bonne soirée. Tout dépend quand vous regarderez ma vidéo, pardon. Je bafouille un peu, c'est le soir. Je pense que vous allez avoir l'habitude ces derniers temps quand je filme le soir. Mais voilà, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye!